Hey les gars, ça va, c'est NRJ et on se retrouve aujourd'hui comme chaque mardi pour partir de rien. Bilan de ce off de folie, 5 heures de travail afin de terminer de moissonner, terminer de récolter toute cette paille, terminer de récolter tout ce foin et le mettre bien sûr tout ça dans cette mélangeuse pour au final avoir du coup 900 000 litres de paille, 200 000 litres d'ensilage, 700 000 litres de foin et 1 million de litres de ration totale mélangée pour mes vaches. Donc finalement ça a été plutôt vite, merci à tous ceux qui m'ont aidé pendant le live, parce que vous m'avez donné pas mal de conseils pour aller plus vite etc, donc c'était vraiment cool. Aussi, aujourd'hui on va changer la remorque, mais ça on va voir en lisant les commentaires. Je voulais parler avant tout du résultat du sondage, vous avez été catégorique, hein, à 93%, vous avez décidé que je pouvais placer des silos, donc c'est fini d'acheter des palettes, même si certains trouvaient ça un peu cheaté. Le fait de pouvoir utiliser des triggers, vous avez été nombreux à me dire oh, arrête de t'emmerder avec des palettes, en vrai c'est rare les gens qui utilisent des palettes au concessionnaire, enfin ça n'existe pas, donc utilise des triggers. Et en vrai, moi ça va tellement m'aider, et puis aujourd'hui maintenant il nous reste, on est à l'épisode 50, ce qui veut dire qu'il nous reste 10 épisodes pour terminer tous les objectifs, d'ailleurs on va en parler plus tard des objectifs. Donc autant vous dire que les triggers d'achat ils vont bien m'aider, là par exemple tu vois là on a le point d'eau, ça marchera pareil qu'un point d'eau sauf que ça remplira en herbicides, en graines, en grès solide. Enfin après je vais placer tout ça, moi je vais en trouver dans mes modes, je vais pas placer ça tout de suite mais ça ne devrait je pense pas tarder. Je vais quand même aller chez les cochons pour vous montrer du coup le silo que vous avez déjà vu au dernier épisode que j'avais légèrement décoré. Ce qu'on a c'est quand même 160 000 litres d'avoine. Autant vous dire qu'on va pouvoir rapidement nourrir les chevaux. Maintenant, la prochaine mission, ça va être... déjà, on va devoir acheter un nouveau semoir. Parce qu'il faut qu'on nourrisse nos cochons. Et pour nourrir nos cochons, il me faut, il me semble, beaucoup de maïs. Maïs. Maïs, c'est le plus important. C'est 50% de sa ration. Après, on peut mettre du blé et de l'orge. Donc, on va clairement s'attaquer au maïs afin de pouvoir nourrir enfin ces cochons depuis le temps qu'on veut le faire. Et donc, il va falloir que je sème ça en maïs. Et pour semer ça en maïs, il me faut un semoir à maïs. Waouh, quel génie, j'ai trouvé ça tout seul. Je te jure, j'ai trouvé ça tout seul. Planteuse, on va dans planteuse et normalement... en vrai, pour moi, je vais prendre le Great Plains. Hein. Après, le problème de ce Great Plains, ouais, je suis anglais, hein, c'est que il me semble qu'il faut déchaumer devant. Et ça, ça m'emmerde un peu. On n'a pas un combiné de semis... Le Horsch, alors apparemment le Horsch, il n'y a pas besoin. On m'avait dit qu'il n'y avait pas forcément besoin. Ouais, mais si, il faut forcément labourer devant. J'ai réfléchi aux différents achats, je vais pas les faire tout de suite parce qu'il va me falloir plus d'argent. Et de toute façon, j'ai beaucoup d'achats à faire. Alors déjà, on commence du coup par un cultivateur parce que ça n'existe pas trop les combinés de semis en maïs au-dessus de 10 mètres. Donc on partirait sur ce cultivateur à 20 mètres qui peut toujours servir de toute façon. Il coûte que 75 000 euros. Donc franchement c'est sympa et je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix, 400 chevaux, donc je peux le tirer avec le Fendt, même si le Big Bud va arriver, ne vous inquiétez pas là-dessus. Ensuite, une planteuse, du coup pour le maïs, même si c'est un semoir, mais bon sur Farming ils appellent ça planteuse. On partirait sur le Stara Absoluta 44, je trouve que c'est la meilleure option, hein. 415 000 euros par contre, pouf,
très cher, mais au moins on a aussi large que notre semoir à blé, tout simplement. Et voilà, moi je trouve que c'est sympa, 17 ml de trémie, facile à déplacer, je trouve, il n'y a pas au moins, c'est pas un articulé ou quoi comme le semoir à grains. Donc je pense que ça serait plutôt facile à manœuvrer, même si ça va quand même demander de la vigilance, parce que semer sur 27 mètres, ça va être quelque chose. Mais pour le moment, j'ai pas vraiment les moyens, sachant qu'il faut en plus que j'achète du coup les fameuses citernes pour stocker les différents engrais, etc. Alors apparemment, c'est des cubes avec une capacité, donc j'espère qu'il faut pas les remplir. Je pense qu'elles sont remplies quand on les achète. Du coup, je vais placer ça par là-bas. Où est-ce que je pourrais placer ça? Bon, normalement, il faudrait tout un truc phyto, etc. Ouais, bon, on va faire avec les moyens du bord, hein. On peut pas non plus se permettre d'avoir tout le matériel requis. Bah, limite, j'en mets. Ah, bah non, j'ai plus accès au champ après si je pose ça là. C'est pas facile en vrai, hein. C'est pas si facile que ça, parce qu'il faut aussi un endroit où je peux passer avec mon pulvée et mon épandeur à engrais ou à chaud. Bien, pour le moment, je crois qu'on va rester avec seulement ces deux-là. J'espère qu'ils sont pleins. J'ai pas l'impression, sinon je devrais les remplir du coup avec un tank. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre, j'avoue. Bon, on va bien voir. Déjà, les deux sont placés. Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez des idées pour les semences ou pour la chaux. Moi, j'ai rien trouvé pour le moment d'alternative. Et je crois que sur la map, il n'y a pas de trigger. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Mais en tout cas, déjà, pour ce qui est liquide, ça devrait nous faire gagner du temps. Et franchement, moi, ça me fait plutôt plaisir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que normalement, j'ai laissé le camion à la ferme ici parce que j'en ai besoin pour nourrir mes vaches. Mais avant ça, il faut que j'achète une nouvelle benne de camion. J'ai trouvé une benne de camion légèrement plus grosse. Là, on est sur du 58 000 litres. Et celle que je vais acheter fait 71 000 litres. C'est pas tellement plus, mais c'est ça de gagner. Elle prend 72 000 litres. Elle est assez grande. Et ouais, j'aime bien. Alors, est-ce qu'on pourrait pas mettre un logo? Alors, on va mettre des roues. Voilà, avec le logo Agroliner. Je vais l'acheter. Et je vais en profiter, d'ailleurs, pendant que je vais aller la chercher. Et pendant que je vais emmener à vendre, du coup, la benne que j'ai là. Pour lire les commentaires des abonnés. On commence du coup avec un commentaire de Mitch TV qui me dit: Hey Energy, les épisodes sont vraiment sympas comme d'hab. On se rend pas compte du temps que mettent à tourner les épisodes de 25 minutes. Non, mais c'est vrai que moi ça me prend énormément de temps, mais après c'est mon kiff donc franchement ça me dérange pas du tout. Il me dit ensuite: Bref, en ce qui concerne l'ensilage, ça serait vraiment cool que tu puisses utiliser, que tu puisses faire de l'ensilage de maïs avec des gens multijoueurs, etc. Il me dit: On en voit très peu sur ta chaîne. Bon, on en voyait beaucoup quand je faisais des lives en multijoueur, mais. En fait, le problème de partir de rien, c'est que j'ai beaucoup trop de mods sur ma sauvegarde. Ça sera pas le cas, je pense, de la prochaine saison. Et du coup, bah, je peux faire venir personne en multijoueur. Et c'est vrai que c'est un peu un handicap. Parce que du coup, je peux pas faire vraiment d'ensilage à part avec des ouvriers. Mais avec les ouvriers, ce serait vraiment chiant. Donc voilà, je suis vraiment désolé. J'aurais adoré le faire. Et ça aurait été vraiment réaliste. Ça aurait fait un peu, ouais, agriculteur voisin, comme tu le dis dans ton commentaire. Mais je ne peux pas vraiment le faire. Donc voilà, je suis désolé. Mais pour les prochaines saisons, de toute façon, il ne reste que 10 épisodes dans cette saison. Donc pour les prochaines saisons, ne t'en fais pas. Il y aura bel et bien. Du multijoueur, donc là-dessus t'as pas à t'en faire. On a un autre commentaire du fameux El Papito, le donneur de PLS, vous savez, qui me dit Salut Marlon, perso je suis pas fan d'un camion dans un champ pour les moissons. Et vous avez été nombreux à me le dire, il n'y a pas que Papito qui me l'a dit. Vous avez été nombreux à me dire que ce serait vraiment bien que j'achète un transborder. Alors pour ceux qui connaissent pas les transborders, alors ils appellent ça des remorques à grains sur farming. En gros, c'est ce qui vous permet de transporter le grain au camion. Parce que le camion, du coup, lui, techniquement, doit rester sur la route. Donc le camion est sur la route. Et ici, avec un transborder, on amène tout simplement le grain qu'il contient pour le vider dans la remorque du camion. Et je pense que ça peut être vraiment une très bonne idée, mon Papito. Et c'est ce que je vais faire. Franchement, j'adore ton commentaire. Donc, en vrai, en plus, il y en a des balèzes. Ça serait trop kiffant. Moi, alors, le transborder que je préfère, bon, c'est celui-là, mais bon, 2 millions de litres. N'abusons pas. Hein, il y a des limites, il y a des limites. On n'est pas sur la ferme irréaliste de Mister Wallon. Je pense prendre celui-là. Et il me paraît réaliste. On peut mettre 124 000 litres dedans. Donc, limite, on peut mettre toute une moisson. Et comme ça, moi, je stocke dedans. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, je trouve l'idée pas trop mauvaise. Et franchement, pour ma moisson de maïs, comme ça me permet d'avoir un gros transborder et vider tranquillement dans le camion. Et comme ça me permet d'utiliser le camion pour nourrir les vaches pendant que ça moissonne aussi. Donc franchement, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée. Bah moi, alors regardez, du coup, la benne. Oh, elle est vraiment jolie, hein. En noir et blanc et rouge, comme ça, elle va trop bien avec le camion. Oh, ça fait un ensemble magnifique.
Je vous propose que je vous mette une dernière benne ration totale mélangée. Ça va hyper vite hein, avec cette benne. Le seul problème, c'est que le camion est trop haut. Je vais vous montrer pourquoi. Il nous en reste 388 000. Il me reste... bon, après, là, c'est en train d'en faire. Hein. C'est en train de broyer un petit peu tous les ingrédients. Il nous reste 100 000 litres d'ensilage. Donc, c'est encore de quoi faire 300 000 litres de ration. Donc, mais bon, là, ce que je vais leur mettre, du coup, il y aura quasiment 1 million. Je vais vous montrer une fois que j'aurai vidé. Ça devrait leur suffire pour quelques jours, je pense, 1 million de litres de ration totale. Vous vous rendez compte, là, on est sur une ferme immense. Hein. Normalement, ça devrait produire énormément de lait. Enfin, j'espère... Est-ce que ça produit 1 million de litres de lait ça peut rapporter bien. Hein. Je sais pas exactement combien, mais bah, quasiment 2 millions, je pense. Hop, on vide. Donc, vous voyez, c'est assez difficile de passer avec la cabine du camion. Mais on fait avec, on fait avec. Que je regarde, du coup, on va pas être loin des 1 million. Ouais, 970 000. Du coup, il faut que je leur mette de l'eau. La paille, je vais pas en mettre. La paille, c'est pas grave. La paille, ça sert juste à faire du foin. Et ça augmente légèrement la productivité. Mais c'est pas le plus important. Et de toute façon, ma paille, je préfère qu'elle serve à faire de la ration totale mélangée. Plutôt qu'autre chose. Du coup, 991 000 pour 400 vaches. Sachant que... Alors, normalement, je peux leur en mettre encore plus. Hein. Ouais, je pense qu'on peut taper le million... Million 3, million 4, hein. Ah ouais, faut aller vite, hein, sinon ça passe pas. Hein. Ah, les stabulations, elles sont pas faites pour laisser passer un camion dedans, hein, mais bon. Bon, je suis obligé de shooter les vaches de temps en temps. Je suis désolé, hein. On essaye de prendre soin des animaux, mais bon, il y a des moments où on peut pas. Du coup, on va quand même fermer l'enclos, on est des gens RP. Ah, on... ah non, c'est vrai qu'on peut pas fermer. Mais non, mais je suis bête. On fait confiance à nos vaches, finalement. Je les ai bien élevées. Et on leur met de l'eau. On ouvre la vanne, et du coup, ça va commencer à mettre de l'eau ici. Par contre, ça me rend un peu triste, ça. Qu'ils aient de l'herbe dans leur rouge. C'est pas très le bien-être animal, tout ça, attends. Ah voilà, regardez, oh merde. Ah, faut peut-être pas les faire marcher sur le bitume non plus. Il y a une limite. Voilà, oh, comme ça ça va, il y a un petit peu d'herbe. Mais bon, ça rajoute un peu à leur ration. Il leur faut combien de litres d'eau par contre? Wouah, regardez, là j'ai mis 10 000 litres. Putain, heureusement que c'est pas payant hein. Parce que là ah oui, ça coûterait une fortune. Du coup, maintenant que je les ai nourris bah j'hésite, soit maintenant je commence à nourrir mes moutons. Soit je resème ça rapidement en maïs. Avant toute chose, le champ a besoin de chaud. Du coup, on va partir en opération chaud. J'ai pas forcément besoin de mon fen. Mais j'avoue que le fen, il est quand même vachement stylé quand on fait de la chaud. Alors d'ailleurs, il est où mon fen? Ah, il est juste là. Ok, d'accord. Il est là avec l'auto-chargeuse. Ici, on a le classe. Est-ce que j'ai un tracteur classe qui est rendu ailleurs? Attendez. Il est où mon tracteur classe? Ah non, il est à cette ferme là aussi. Bon, ouais, vivement que j'ai le Big Bud. Comme ça, j'aurai des tracteurs un peu partout. On va prendre celui-là. On va ranger l'auto-chargeuse. Et je vais aller là-bas. On va pouvoir aller épandre de la chaux. Parce que mine de rien, il y en a déjà besoin. Je pensais que c'était. Ouais, c'est toutes les trois fois en fait. Ouais, c'est toutes les trois récoltes, je crois. Donc oui, on y arrive. Hein. Et là, on commence à avoir un bel ensemble. Hein. Deux véhicules classe. Non, véhicule classe, ouais. Véhicule classe, outil classe. Et véhicule crone, outil crone. Et on aime le vert ici. Hein. Et encore mon fen, je l'ai pris en noir, mais il aurait dû être vert. Je viens d'arriver. Du coup, il me reste un petit peu de chaud. Je sais pas si ça suffira. Alors, par contre, c'est toujours galère de voir quelle largeur il faut prendre pour que ça soit vraiment optimal et pour pas faire trop d'oubli. Bon, après, s'il y a un petit peu d'oubli comme ça, c'est pas non plus très gênant. Mais il faut essayer d'en faire un minimum. Eh, ça prend large, hein. Eh, c'est galère de jauger un petit peu. Eh, ça prend du temps, hein, mine de rien, l'épandage de chaux. Après, là, je dois épandre sur 12 mètres, je pense. C'était l'épandage le plus large hein, que je pouvais avoir de toute façon sur le jeu en chaux par rapport à la taille de l'outil. Donc, c'est juste parfait. Eh, ça consomme très peu de chaux, hein, regardez. Un litre par un litre, comme ça, malgré les quantités que je mets sur mon champ. Donc, c'est super, comme ça au moins ça sera fait. Je dis pas qu'on va ressemer aujourd'hui parce que j'ai un autre objectif. Attendez, hop, on va juste arrêter l'épandage 2 minutes. Oh, ouais, c'est bon la sauvegarde. J'ai bien envie de rassembler ces champs là une fois qu'on aura vendu le lait. De rassembler tous les champs là. Faire un grand champ. Ah, là il y a une route, ouais, là il y a une route. Donc, en gros, faire un grand champ qui prend tout le champ 60, tout le champ 41, tout le champ. Je pense, alors je sais pas si ça sera fait aujourd'hui. Mais ce serait quand même un projet sympa. Après, il y a plein d'autres grands champs hein, que je peux faire. Hein. Là, rassembler tout le 25, tout le 82, tout le 83. Je pense que je vais essayer de rassembler un maximum toute la map. Là, pareil. Hein. Là, je peux quasiment rassembler tous les champs. Hein. À part qu'il y a une ferme au milieu, donc il faudra faire un rond comme ça. Ah non, il y a une route là. Ouais, voilà. Mais en vrai, en optimisant, je pourrais avoir plein de grands champs d'herbe, grands champs de grains. Je pourrais pas tous m'en occuper. Mais au moins, les champs seront là, seront disponibles. Et en vrai, ça sera vraiment le résultat. Ah ouais, là, vraiment, on dirait une botte là, par contre. Hein. Tous les champs qu'on a, on dirait vraiment une botte. D'ailleurs, il me reste... Ouais, il faudrait que je calcule. Vous savez quoi? Je vais calculer pour combien d'euros de champs il me reste à acheter.
Je me doutais que ça allait être une grosse somme, mais là, on est quand même 11 744 847 euros. C'est plus que l'objectif final. Donc autant vous dire que ça va pas être facile. Il nous reste 10 épisodes pour faire déjà 10 millions, plus acheter des champs qui valent 11 millions. Ouh! C'est un truc de malade. Et en plus d'acheter le Big Bud, en plus de tout ce qu'il nous reste à faire dans les objectifs qui s'affichent dès maintenant, on a du boulot, on a du pain sur la planche, et c'est pour ça que je vous laisse avec un... Enfin, je vous laisse, non, pas pour cet épisode, mais je vous laisse avec un accéléré de l'épandage de la chaux. Nous retrouvons donc de bon matin parce que l'épandage de chaux est terminé et mine de rien je pensais que ça allait se faire vite, ouais ça a pris une bonne demi-heure. Bon au moins ça c'est fait, maintenant les vaches ont commencé à produire quelques litres de lait, 37 000 litres, ça représente déjà quasiment 100 000 euros. Bon c'est sympa mais ça va pas nous permettre de faire ce que j'ai envie de faire dans la suite de l'épisode, c'est-à-dire réunir tous les champs qu'il y a derrière la porcherie. Mais bon on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Ce que je vais faire là c'est que je vais vous lancer un petit timelapse. Hop, alors je vais me positionner normalement comme ceci. Wow, ça lag un peu. Je vais me positionner comme ceci, un petit peu en hauteur. Il va même falloir que je vende quelques vaches parce qu'en fait, apparemment, la capacité maximale est de 40, enfin, est de 400, pardon. Du coup, je vais en vendre quelques-unes afin que ça me rapporte un petit peu d'argent. Et comme ça, bah, les prochaines qui vont naître, bah, ça va me rapporter un max de thunes. Du coup, hop, ça fera 70 000 euros en plus. C'est parfait. Et c'est reparti pour l'accélérer. On se retrouve quelques jours in-game plus tard, même une dizaine, une vingtaine de jours, pour vendre le lait, enfin. Alors, regardez, petite sauvegarde, regardez le nombre de litres, on a 346 000 litres, je suis assez déçu, franchement. Par rapport au temps que ça me prend, ça va pas forcément me rapporter énormément d'argent. Si on regarde le cours du lait actuellement, ouais, il est un petit peu moins de 2000 euros. Après, il peut peut-être augmenter un peu, si j'accélère un peu le temps. Ouais, on peut taper au-dessus des 2000 euros, mais... Ouais, 2100, ouais, j'accélère un peu le temps pour voir jusqu'à combien on peut taper, 2300, ah ouais, quand même, 2364 euros, ouais, ça peut être sympa, en fait, ouais, mais on aura quoi, 800, 900 000 euros, c'est pas non plus le deal du siècle, mais bon, au moins c'est toujours ça de plus, qui vont nous permettre de bien terminer cet épisode, moi je vous le dis, parce que je vais pouvoir acheter, hop, on attelle le temps qui est certes un peu cheaté, mais bon, c'est comme ça, qui vont nous permettre du coup d'acheter le semoir, le cultivateur, et... Mon deuxième projet de cette fin d'épisode, c'est de, enfin, qui sera pas fait dans cet épisode, je pense, mais dans le prochain, c'est de rassembler le 93, le 105, le 104, tout ce qui passe là, hop, hop, et le 101 et le 100. Alors, le 101 et le 100, en vrai, ça coûte pas très cher, ça coûte quand même 400 000 balles quand même, putain. Ah ouais, bon, bah j'achète, de toute façon, le lait va me permettre d'acheter le reste. Et là, j'ai pas assez déjà. Donc, j'ai pas assez. Donc, j'espère que j'aurai assez en vendant tout pour acheter, bah, en plus de 271 000 euros de champ, comment dire, le montant du semoir et du cultivateur. Et franchement, on a un ensemble et c'est hyper stylé. Ça fait presque américain. Hein. Franchement, j'adore mon nouveau camion. Même si j'avoue qu'il est bancal. Quand on tourne, il penche. Et quand on va très vite, bah là même là, regardez, il est vachement bancal. Bon, après, ça n'empêche pas qu'il soit puissant. Et c'est pas pour ça que je vais le changer de sitôt. Et pouvoir mettre 90 000 litres dans une seule citerne, oh là là, quel plaisir. Il y en a une qui est sortie sur King Mode récemment qui fait 120 000 litres. Bon, là, c'est peut-être un peu trop. Là, ouais, c'est vrai que je trouvais ça un peu cheaté, mais finalement, on n'est pas là non plus pour regarder un mec faire 100 000 allers-retours et que ça me prenne 4 heures. Regardez, wow, comment il penche à des moments dans les virages, regardez. Impressionnant. Surtout en vue intérieure, on voit bien que ça penche pas mal. Du coup, je me mets ici. C'est toujours au même endroit qu'on vend les trucs. Hein. Ici, c'est les bonnes affaires, j'ai l'impression. Et je fais I, non? Ah, ça va pas? Je suis pas assez centré, peut-être? Ah, si, voilà, I. Pour vendre le lait. Et ouais, ça va. L'argent montre, enfin, monte petit à petit, pardon.
Le lait est totalement vendu, on est repassé au-dessus du million d'euros malgré les achats de champs. Je vais pouvoir terminer du coup les achats de champs en parlant d'eux. On va mettre 271 000 euros sur la table et on réduit petit à petit. Mais je vous rappelle qu'il reste encore quasiment 10 millions d'euros de champs à acheter. Ça c'est fait, maintenant il va s'agir de rassembler tout ça. Mais vu qu'il me reste de l'argent, bah, je vais me faire plaisir avec cet argent. Acheter le semoir, j'espère que c'est un bon choix. Je vous laisse réagir là-dessus en commentaire. Mais pour moi, c'est vraiment un bon choix parce que il va permettre de semer très large et j'aime bien. Il y avait son concurrent, le John Deere, mais quasiment 500 000 euros pour bah, un mètre de. Ah non, ah oui, on gagnait. Ah oui, on gagnait plus. Ah oui, on est en 36 mètres. Ah là, la question se pose plus. Après, j'ai pas de retour sur ce John Deere. Ah ouais. 36 mètres, je pense que sur un champ avec des pentes, 36 mètres, c'est peut-être un peu trop. Alors que 26 mètres, je sais que ça peut fonctionner. Donc on va partir sur le Stara. Dans le pire des cas, on le revendra. Si vraiment vous m'avez dit que c'était une mauvaise idée, on le revendra. J'aurai les moyens d'en racheter un. Mais je pense que c'est pas une mauvaise idée. Donc on achète, on redescend. Du coup, on a plus que 398 000 euros. Ça va nous permettre amplement d'acheter le cultivateur, le fameux cultivateur John Deere. Comme ça, on va pas prendre que du John Deere non plus en travail du sol parce qu'on en a pas mal. Hop, acheter. Il faut 400 poneys, donc ça va le faire. Alors d'ailleurs, pour semer, il me faut combien de chevaux? J'ai pas regardé. Donc dans garage. Où est mon semoir à maïs? Il est ici. Il me faut 480 chevaux. Ouais, ça va être un peu juste, mais là il me fallait 640 et je les tirerai. Donc normalement ça devrait le faire. Bon, ça c'est acheté. Je vais pas m'en servir aujourd'hui. Maintenant la mission, ça va être sur le Giant Editor de purifier un petit peu la zone, d'enlever tout ce qui peut m'empêcher de rassembler le champ. Ça je vais le laisser par exemple. Ça, parce qu'en vrai, j'ai pas envie que la moissonneuse elle fasse un détour comme ça et qu'elle revienne là. Donc ça, je vais le laisser. Peut-être la bordure d'arbre là. Ah ouais, mais après c'est vachement en pente, donc je vais le laisser aussi. Je vais juste enlever vraiment, bah voilà, ce qu'il y a au milieu, comme les arbres qu'il y a ici, les roches, les buissons. Qu'est-ce que j'ai d'autre à enlever? Là, faudrait peut-être que j'adoucisse un peu la pente, histoire de laisser de la place au champ. Genre comme là par exemple, regardez. Ah bah je suis pas du tout au bon endroit. Je parlais d'ici, peut-être. Voilà, essayez de. Bon, c'est pas top top, mais vous voyez à peu près l'idée. Hein. Essayez de gratter un petit peu, histoire de faire quelque chose d'un minimum plat. Ouais, je m'en sors à moitié. Hein. Après, voilà, faut adoucir la pente et je pense qu'on peut avoir quelque chose de pas mal, histoire que le champ soit un minimum droit. Et du coup, le champ, il sera un peu en deux parties. Il y aura une partie ici et une partie qui repart là. Là, la forêt, je vais pas mal la couper sur le Giant Editor, histoire que la moissonneuse puisse passer ici comme ça. Et puis. Ici, je vais laisser le petit bois qu'il y a là, c'est pas très gênant. Et rassembler, bien sûr, ici, en enlevant peut-être une barrière. Non, il n'y a pas de barrière. Donc, en vrai, sur Giant Editor, ça va être assez rapide. Bah, je vous mets un petit timelapse de moi sur Giant Editor qui enlève tout ça. Tout a été retiré sur le Giant Editor et maintenant bah, je me suis dit plutôt que de tout labourer pour tout rassembler le champ, moi ce que je vais faire pendant le off c'est que je vais récolter le maïs qu'on a ici, le maïs qu'on a là et également tout le blé qu'il y a là parce que ça peut servir et ça va me permettre de du coup nourrir mes poules et commencer à nourrir mes cochons avant de ressemer ça en maïs. Beaucoup de choses à faire comme d'habitude, mais moi c'est un petit kiff, moi c'est mon petit kiff de me dire que j'ai des trucs à faire dans partir de rien. Vous êtes toujours aussi nombreux à regarder la série et je vous en remercie. Vous êtes plus de 40 000 à la regarder par semaine. Après ça fait des fois 50 000, c'est juste impressionnant. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Merci à tous également qui mettent des commentaires, c'est hyper important. Vous permettez de m'apprendre des choses sur le jeu que je connais pas encore ou de me donner des conseils pour la suite de partir de rien. Et ça franchement, moi j'en suis très 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 content d'avoir une communauté aussi active. Donc voilà, je tenais juste à vous remercier pour cette fin de vidéo. Moi, je pense que je vais peut-être, bah, je pense, ouais, rassembler le champ, ressemer l'autre, et puis déjà, ça sera une bonne partie de fête. Ou alors, je garderai peut-être une partie à faire pour la vidéo prochaine, parce qu'il faut également que je nourrisse les moutons pour avoir toujours plus d'argent, pour acheter toujours plus de champs, parce que là, du coup, il reste plus que 9 épisodes. Donc, va falloir aller très, très vite. Voilà, je compte sur vous pour bombarder les pouces bleus, bombarder les commentaires, bombarder les partages, cette énergie. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ciao tout le monde!